Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo promenade à l'extérieur. Alors, hier, le vendredi 16 juillet, c'était l'ouverture du magasin Istanbul Marché qui se trouve à Clissouille dans le 77. Merci Bozo. Donc, avant, c'était la halle aux chaussures. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant, c'était la halle aux chaussures. La halle aux chaussures n'existe plus, je crois. Je ne sais pas pourquoi, bon bref. Donc du coup, ils ont fait Istanbul Marché. Je suis très très contente car dans le 77, il n'y avait pas de grand magasin turc. En plus, c'est à côté du marché, au marché de Clé. Vous avez Bellona aussi maintenant, donc c'est nickel. Donc là, je vous montre l'entrée du magasin. Vous avez plein de vaisselle. Donc pour les futurs mariés, si vous voulez acheter la vaisselle, venez ici. Regardez, vous avez vraiment de tout. Vous prenez vos assiettes, vos fourchettes, vos verres à thé, vos verres à café, vos çaydanlık, ça c'est pour faire le thé turc, même le thé français, hein, mais nous on utilise ce genre de théière, voilà, théière. Oh, regardez-moi ça, c'est magnifique, ça c'est vraiment les derniers modèles qui sont sortis en Turquie. Franchement, c'est trop trop beau. En plus, je les vois sur YouTube à chaque fois, le haut transparent, le bas non transparent, ou sinon la théière. Les deux sont transparents, c'est trop trop beau. Donc ça, vous pouvez mettre des épices ou sinon du sucre, des petits bonbons. En plus, c'est un peu difficile à ouvrir, donc ça veut dire que il est bien fermé. Donc là, c'était une machine à café, voilà, pour 20 euros, machine à café de la marque Schaeffler. Donc là, en fait, ouais, c'est vraiment la marque Schaeffler, c'est une marque allemande, mais très très bonne qualité. Moi, j'ai plein de vaisselle et de casserole Schaeffler. Franchement, je suis très contente de cette marque. Par exemple, cette casserole, elle a 45 euros le tout, je crois. Ou que. Ah, j'ai un doute. Je ne sais pas que si c'est une casserole à 45 euros parce que vous avez plusieurs tailles. Par exemple, là, le toaster est à 49 euros. Car en même temps, je posais la question le prix. Là, je fais une voix off car à la base, je voulais même. Enfin. Je voulais filmer quelques scènes, mais là, je sais pas. J'ai ma belle-mère qui disait, vas-y, filme, filme. Filme ceci, filme cela. Donc, du coup, j'ai tout filmé. Oui, j'étais avec ma belle-mère ce jour-là. Donc, du coup, c'est pour ça que je fais une voix off. J'étais en train de parler en même temps. Donc, regarde, là, la femme, elle était en train de nous montrer les prix. Donc, là, tu en as pour 25 euros. Ça, c'est pour mettre du savon, je crois. Ouais, du savon. Là, regarde, ça, c'est pour le thé, pour deux personnes. Ouais, franchement, c'est trop beau. Pour 9,90 €. Voilà, c'est pas pour 4 ou 6 personnes. Là, c'est pour 2 personnes. Ça fait un peu cher, mais voilà, c'est la qualité en fait. Ça n'a rien à voir avec les petits produits qu'on retrouve d'habitude. Ça, par exemple, je ne sais pas. Il faudrait revoir. Vous avez un set de couteaux. Normalement, la vaisselle, elle est à 145 euros. Regarde, là, il est à 38 euros. Voilà, c'est ce que je t'ai montré tout au début. Il est à 38 euros. Donc là, je te montre un petit peu le magasin. Regarde, avant, c'est la halle aux chaussures ici. Immense. Oh, je n'ai pas capté les lumières là-haut. Ça fait trop beau. Oh, magnifique. Donc là, je te montre ça par exemple. Voilà, là, elle me montre de plus près. Ça, c'est une machine pour faire du café turc. Voilà, c'est électrique. Là, elle disait, je vais casser le verre et tout. Et la femme a dit, mais non, tu ne mélanges pas avec une cuillère. Tu mélanges avec une cuillère en plastique, par exemple. Tu vois, elle lui expliquait. Et là. Je te montre, voilà, celui-ci, à mon avis, il a 38 euros. Donc là, tu as les verres à café et les verres à thé. Voilà, en un, dans une petite boîte, magnifique. Donc là aussi, vous avez d'autres modèles. Alors là, celui-ci, regarde, c'est une théière avec trois théières. Et là, voilà, là, tu as des sets, je sais pas, celui-ci, il a 45 euros, je ne sais pas si c'est les trois ou un seul. Là, c'est un set d'assiettes 145 euros, pardon. Mais bon, c'est les prix, hein, 145 euros. En dessous, pardon. Donc, c'est une machine à pizza, 99 euros. Tu peux faire les larmes jaunes aussi. Voilà. Oh, j'ai cru que c'était marqué belle-mame, en fait. Non. Oh là là. Ici, c'est une casserole, 25 euros. Et là, je disais à ma belle-mère, tu peux me montrer ce set de café. Enfin, de verre à café, pardon. Donc, c'est vendu par deux. Voilà, avec un nasal bonjouk. Bon, après, c'est décoratif, le nasal bonjouk. Hein. C'est pas pour pas te porter la poisse ou quoi, mais c'est décoratif. Là, t'as des paquets de chips à 69 centimes. Là, c'est les fours à l'ancienne. 35, 39 ou 35, 39 euros.
Voilà. Ça, voilà, ça c'est nos fours. Quand on était jeune, ma mère elle avait ce genre de four à la maison. Et là, c'est pour faire cuire le pain. Il est à 19,90 €. Voilà, c'est une casserole. Tu peux faire cuire ton pain, même les pizzas. Tu sais, les larmes jaunes. Quand je dis pizza, c'est larmes jaunes. Donc, désolé, c'est mon oiseau hein, qui. Parce qu'en fait, quand je parle, il faut qu'il dise quelque chose aussi. Donc là, je vais essayer de vous montrer un petit peu le magasin. Dans le montage, j'ai fait un petit peu au ralenti. J'essaye aussi de vous montrer en image les prix. Donc là, c'est du liquide vaisselle pour 89 ou 99 centimes. Là, vous avez les pistaches pour 4,99. Ici, c'est le rayon des pépites, des Chicken. Ensuite, le produit sec, donc tout ce qui est noix de coco, noix de cajou, les pistaches, les pois chiches, mélange de pistaches, des noix, des raisins secs, noix de coco, maïzena. Ici, vous avez les pois chiches sucrés, voilà, qu'on mange à l'apéritif. Vous avez des chips. Ensuite, vous avez des pop-corn aussi. Voilà, là, les pois chiches sucrés, tout le monde kiffe ça. Vous avez des bretzels. Donc là, c'est les graines de chia. Voilà, j'étais surprise, 1,59 €. Graines de lin aussi, 1,59 €. Là, vous avez graines de sésame, 1,99 €. Oh là là, en fait, il s'est passé quelque chose avec ma caméra. Je pensais que je vous filmais détail. Ça, c'est de la cire, c'est pour s'épiler. Je pensais que je vous filmais détail par détail, mais en fait, non. Mon doigt, il a mal appuyé. Bon, bref. Bon, après, c'est pas grave. Mais vous avez un rayon de feuilles de vigne. C'est ça que je voulais vous dire. J'ai pas pu vous filmer le haut, mais vous avez plusieurs sortes de feuilles de vigne. Ensuite, ici, c'est le rayon des pâtes, tout ce qu'on fait pour le riz. Tu sais, quand je prépare le riz, tu as même les mains tout secs. Donc, moi, j'aime pas trop les mains tout secs. Je préfère les congelées. Elles sont meilleures. Mais bon, ils sont à 1,79 €. Donc, tu peux les faire toi-même. Hein. Tu as la vidéo sur ma chaîne YouTube. Ici, ces pâtes, elles sont très très bonnes pour 79 centimes. Ensuite, tu as des erichtés. Donc, ça, c'est des pâtes. Mais tu mets du yaourt avec de la sauce tomate par-dessus. Trop bon. Donc, là, c'est mon rayon concentré de tomates et concentré de piment, de poivrons. Donc, vous avez plusieurs sortes de concentrés. Regarde là, tu as aubergine. Tu as d'autres marques aussi. La marque The Salcha, je ne connais pas, j'achète pas. Moi, j'achète vraiment toujours la même marque. Hein, tu me connais. Ici, c'est le rayon des chocolats, Nutella, entre guillemets. Bon, il y avait du Nutella de l'autre côté, mais là, c'est vraiment. Là, c'est la crème de Kinder Bueno. Je t'ai montré la dernière fois dans le magasin turc. Tu as du beurre de cacahuète aussi. J'ai regardé un petit peu les prix, j'ai un peu différencié les prix. Bon, il y a certains produits qui sont plus chers. Bon, après, c'est normal, hein, mais tu as beaucoup de produits beaucoup moins chers. Et là, tu as des blocs de miel. Tu avais un rayon de miel, franchement, j'ai fait waouh, celui-ci il est à 3,89 €. Et c'est rare que je vois les blocs de miel. Et là, tu as en conserve et en bouteille. Et un peu plus haut, tu as du caramel. Voilà, ça c'est du caramel pour 3,99 €. Ici, c'est le rayon des thés. Tu as plusieurs marques. Moi, je prends toujours la marque Alice, celle-ci. Mais tu as d'autres marques, pardon. Ici, c'est mon rayon à thé détox. Je l'ai trouvé, franchement, j'étais trop contente. Voilà, donc tu as vraiment un grand rayon bien rangé de thé. Donc moi, si t'as pas vu la vidéo, je te mets en barre d'infos. C'est le thé que j'achète maintenant, que je bois. Et honnêtement, ça me fait du bien à mon corps. Et j'aime trop. Bon, c'est un peu plus cher de quelques centimes, mais c'est rien du tout. Là, tu as du pastourma. Bon, moi, j'aime pas trop. Mon mari, il kiffe. Tu as du salam, tu as du soujouk. Tout ça, c'est côté boucherie, on va dire. Tu as de la bonne viande. Yummy, yummy. Ensuite, ici, tu as des feuilles de vigne farcies. J'ai posé la question si c'était fait à la main, enfin, s'ils l'ont fait sur place. Ils m'ont dit oui, on l'a fait la veille et tout. Tu as du fromage turc. Voilà, tu choisis toi-même ton fromage turc. Donc, il est dans du liquide, c'est normal. C'est comme la mozzarella que tu retrouves dans le liquide. Voilà, là, je posais la question, il me disait oui, c'est fait maison.
À côté, tu avais du calamar, du poulpe, tu vois. Ah, tu as les aubergines à gauche. Fait maison aussi. Tu as des piments à droite. Voilà. Tu as de la mozzarella. En même temps, je regarde avec vous. Parce que j'ai filmé, mais j'ai filmé. Mais j'ai pas regardé vraiment tout. Tu as de la dégustation aussi pour goûter. C'est très bien. Tu goûtes le fromage et tout. Par contre, ils n'ont pas un rayon boulangerie. Ils ont que ça comme rayon. J'ai posé la question. Ils m'ont dit non, c'est trop de taf. Donc, du coup, le pain, c'est à part. Après, je ne sais pas s'il y avait du pide ou pas. J'ai pas fait gaffe. Ici, c'est le côté Iran. C'est le yaourt mélangé à de l'eau et un peu de sel. Vous avez les saucisses. C'est yerim saucisses. Vous avez du mortadelle, du soujouk, du salam, du salami. Je ne sais pas comment on dit en français. Voilà, donc là c'est le salam que Clara aime avec Gabriel. C'est de la marque Zeybek. Je n'avais jamais capté. Je ne sais pas si c'est la marque Zeybek. Ici c'est les soujouks, c'est la base. Obligé chez les Turcs, tu as, enfin chez les familles turques, tu as du soujouk. S'il n'y a pas de soujouk, c'est la crise. Donc là je regardais les prix. Franchement, ça va 10 euros dans les autres magasins. Ils sont à 12 euros maintenant. Et là, il y avait une offre, tu sais, c'est les soujouks, genre pour faire dans le barbecue. Il était à 9,90 €. Regarde, c'est celui-ci. Voilà, Kangal soujouk. Tu as de tout, tout, tout. Franchement, tu avais le choix. Ensuite, tu as le rayon fromage. Fromage turc. Donc, tu as plusieurs marques, comme d'habitude. Moi, je vais te montrer ma marque. C'est celui-ci, c'est le rouge. Süt Diyarı. Voilà ta couleur bleue et vert aussi normalement. Après, tu as les produits de la France. Ici, tu as le rayon des choux. Je n'avais même pas capté que tu avais autant de choux, choux blancs. Ici, c'est le fromage Kaşar Peyniri. Donc, tu as plein de sortes de marques aussi. Voilà, tu as le choix, franchement. Là, je regardais le prix, franchement, et ça va le prix, hein. Parce que tu as certains magasins, ils exagèrent avec le prix. Là, il est à 5 euros. Voilà, la marque Pounage. Très, très bien. Je l'ai pris. Le soir, on a fait d'ailleurs des toasts avec le soujouk que j'ai pris aussi. Ensuite, ici, tu as d'autres sortes de fromages. Tu as de la feta, tu as du fromage de chèvre, tu as des sortes de kiri, tu as plein de sortes de fromages. Tu as du yaourt aussi. Ici, tu as du labneh, c'est comme un genre de samoré. Tu as aussi de la mascarpone, voilà, j'y arrive. Ici, c'est nos yaourts. Voilà, tu as vu ça la dernière fois. Donc là, tu avais le côté aneth, persil, menthe, cucumber mousse. Vous avez vu ma tête de fatiguée? Bon, la menthe, elle est à combien? Tu feras un petit stop pour voir c'était à combien la menthe. Tu avais les oignons nouvelles, persil radis, batavia. Voilà, vraiment tout ça pour faire du kusur par exemple. Le poivron, le piment blanc. Voilà, tu avais tout, 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 tout. Voilà. Voilà, tu as le prix. Celui-ci, piment blanc, comme ça, j'avais jamais vu. Tu avais de la pastèque aussi. Bon, après, tu as les produits que tu peux retrouver en grande surface. Ici, c'est le rayon pâte à yufka pour faire les börek, cigara börek. Tu as plusieurs marques, comme d'habitude. Donc là, c'est les pâtes à filo aussi pour faire les baklava. Là, c'est pour faire les cigara börek. Tu as des cigara börek déjà prêts avec du fromage à l'intérieur pour 2,96 €. Mais moi, je préfère les faire. Tu vois, les recettes sur ma chaîne YouTube. Tu as des pâtes feuilletées. Voilà, tu as des fromages, des croissants avec du fromage. Ici, c'est le rayon poissonnerie. Très bientôt, ils n'ont pas reçu le poisson frais. Mais ça sera le rayon poissonnerie. Après, tu as les yaourts aussi de Maïlis. Miam, miam. Donc là, je te montre un peu, enfin, de plus près, le rayon boucherie. Voilà. Le rayon surgelé. Tu as de tout. Par contre, ce n'est pas un partenariat. Hein. C'est moi, comme d'habitude, je vous filme. Hein. Nous, entre Turcs, même pas, même pour les autres enseignes, voilà, je fais vraiment toujours à titre gratuit. Hein. Je filme, je partage avec vous, mes amis abonnés de YouTube.
Ici, tu as le rayon congelé, mais avec la viande hachée, tu as déjà du burek déjà prêt, juste en dessous là. Voilà. Ici, voilà, il est très bon, tu mets au four et tu as du burek aux épinards et au fromage. Après, tu avais des cordons bleus et tout. Tu as la marque de chez vous aussi, que tu retrouves dans le rayon halal en grande surface. Bon, après, tu as les marques françaises. Et là, c'est le menthe, voilà, c'est celui-ci. Il est très, très bon. Tu as de la viande hachée à l'intérieur, donc c'est très, très bon. Donc là, tu avais le rayon gâteau. Donc, je suis allée voir si il y avait le gâteau à Maëlys. Donc, oui, j'ai retrouvé le gâteau à Maëlys. Donc là, c'est tous les petits biscuits qu'on peut. Ah, ça, regarde, je devais acheter ça. Je vous ai filmé, je n'ai même pas acheté. J'aime trop ça. Et là, tu as les petits biscuits pour faire les gâteaux et tout à la maison. Les gaufrettes. Là, tu as plein de sortes de marques de gâteaux, comme d'hab. Voilà. Ça, c'est bien aussi. C'est au blé et tout. C'est bien pour digérer. J'ai mes gaufrettes. Enfin, ouais, c'est des gaufrettes, ça. Trop, trop bon. Chocolat. Un béné. Bon, après, il faut connaître, hein. Ça aussi, c'est trop bon. Si je ne parle pas, ça veut dire que je vous laisse regarder en même temps. T'as des muffins. Voilà, ils sont là. Ils sont ici, donc. Je suis contente. Je suis contente. T'as plein de sortes de gâteaux, je connais pas non plus. Après, t'as vu, il y avait du miel et de la cerise dans le cœur. Bon, ça me donne pas trop envie, mais bon. Je regardais un petit peu les prix en même temps. T'as même un gâteau avec de la banane à l'intérieur. Ici, tu as les verres à thé. Bon. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets l'adresse en barre d'information, les amis. Ici, c'est la caisse. Et en caisse, tu avais un petit cadeau. Voilà, de bienvenue. Gros bisous!